Le célèbre journaliste, animateur et producteur radio camerounais, Alain Mevegué, n'est plus. La figure du monde de la culture africaine décède ce mercredi 8 septembre 2021 à l'âge de 53 ans, des suites de maladie à Paris. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu'Amobé est parti rejoindre ses ancêtres. Peut-on lire sur sa page Facebook? Une disparition qui laisse sans voix le milieu des médias francophones et crée la polémique. Il faut dire que le décès du célèbre journaliste en service à France 24 depuis 11 ans survient moins d'un mois après l'inhumation de sa mère le 21 août dernier au village Kolbogo dans le département de la Leki, région du centre. Très attaché à ses origines, le fondateur de la chaîne de télévision Ubi News et grand défenseur de la culture africaine présent au Cameroun lors des 10 obsèques se soumet alors aux rites ancestraux de sa communauté. Tout ceci, je m'adresse à la grande famille. Le visage de la vérité n'a pas peur d'affronter celui du mensonge. C'est une période de deuil, de recueillement, mais nous ne sommes que le passage sur cette terre. Quel est le temps qui nous reste à vivre, celui qui sait n'a qu'à lever le doigt? Et certains ne sont pas venus pour accompagner d'autres. Né le 1er octobre 1968 à Yaoundé, le journaliste Alain Mevegué a une carrière florissante. Présentateur de l'émission culturelle L'Affiche à France 24 et chroniqueur musical. Il présente également l'émission Plein Sud sur RFI. À son actif, de nombreuses collaborations avec TV5 Monde, MCM Africa, France O, entre autres. Alain Mevegué laisse son épouse Kumba, ses deux enfants, ses proches, le monde des médias et de nombreux fans éplorés.